Coucou la chèvrerie, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog. On est samedi 28 avril et je me prépare pour aller à la foire de Paris avec Mamoun. Je vais faire un tour et surtout passer sur le stand de Chou et la Caraïbe. Vous connaissez mon amour pour les chaussures Chou et la Caraïbe. Donc ils m'ont invité à passer faire un tour, essayer des chaussures, tout ça, tout ça. Et puis du coup, bah, rencontrer l'une d'entre vous ou l'un d'entre vous, je ne sais pas si vous passez par là. Donc bah, c'est parti! Mamoun est un petit peu énervé parce que en fait le VTC m'a déposé pour me rapprocher un peu plus et du coup les flics l'ont arrêté, ils lui ont dit ouais vous avez 15 secondes pour sortir, nanana, genre dépêchez-vous. Mais je lui dis monsieur, je suis handicapé, je peux pas me presser plus quoi. Et lui il a voulu bien faire. Et bref, en gros il nous a un peu mal parlé, donc ouais ça le fait pas quoi. Donc on est un petit peu énervé, mais bon tranquille, on arrive à la foire de Paris, c'est bon. C'est bon, mais on a pris la plaque quand même du gars parce que c'est pas normal de parler comme ça, même si t'es les forces de l'ordre, t'as pas le droit. Maman, on se calme. Donc voilà le stand, il est trop cadeau. Il y a Domi qui est là, avec tout sourire pour vous recevoir. Elle vous attend. Enfin, on peut les tester sur la France, sur Paris. Voilà, on peut les voir en vrai. Regardez-moi ça. Aïe 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 aïe. Il y a de la souplesse en fait dans le PVC. Donc ça vous donne en fait vraiment une impression de confort et c'est confortable. Chez nous, les filles, les pantalons pour aller au boulot, pour sortir, pour partir en vacances. Elles se font mouiller, ben il suffit juste de les essuyer. Parce qu'ils savent que ça fait toujours donc, plaisir. Donc, en fin de compte, on est des fousses pour faire des cadeaux. Ah, c'est ça, hein. Un peu. D'accord. Mais c'est d'accord. Oui. Donc pour mes filles qui font du 42, en exclusivité vous avez bah, du 42 sur le stand. Donc voilà, moi je trouve ça super, au moins il y a toutes les tailles, tout le monde va trouver son bonheur. Et en juillet, il y aura une collection enfants. C'est trop mignon. Alors les filles, vous en pensez quoi? Elles sont pas canon, exclu, anti et France, le coloris chouette. Elles sont trop canon. J'adore. Loulou. Donc là j'ai le modèle blanc, je sais pas si vous allez voir. Il y a des petites paillettes. Mais ça passe bien. Elle passe super bien pour tous les jours. Moi je trouve ça canon. Donc là la dernière paire que j'essaye c'est celle-ci. Un peu cuivrée, elle est pas canon. Franchement. Elle est trop mignonne. C'est des petites chouettes, mais franchement c'est canon. Donc on a Karine Gioc sur le stand Chouella. Vous la connaissez, la présentatrice d'M6. Elle est là avec nous. Elle va tester aussi ses Chouella. Donc voilà. Là j'ai une abonnée qui est là aussi et du coup ça y est, choisi. Ah ben oui hein, on n'a pas le soleil toute l'année nous hein. Alors on a Miss Martini qui est là avec nous, elle est magnifique, elle est venue chercher aussi ses Zoella. Donc pas encore, ça vient. Du
coup, je viens de sortir du stand de Chouela. J'ai mangé des frites de patates douces, mais il n'y a plus rien. J'avais tellement faim. Ça s'est bien passé. J'ai rencontré quelques abonnés, donc ça m'a fait vraiment plaisir. Et puis, là, on se balade un petit peu dans la foire. Je pense que je vais rentrer, je reviendrai parce que je suis KO technique. Et puis, voilà. Mamoun aussi est là. Hop, Mamoun est restée avec moi. C'est la meilleure, ma Mamounette d'amour. Aïe, aïe, aïe. Nous, on dit, on n'est pas plus légitime que les Indiens. Tu dis, en fait, le Madras, c'est notre apport culturel, en fait, de la communauté en fait, indienne dans les territoires. Mais, c'est-à-dire, historiquement, là, ça ne nous a pas du tout cette marque. Je ferais ça, mais franchement, elle a une super histoire, cette marque. Donc là, il est 19h42, je viens juste de finir une vidéo par rapport au make-up que je mets là. Je voulais vous présenter cette palette-là, en fait, dont j'arrête pas de vous parler sur les réseaux, de la marque Zurich Cosmetics. Donc voilà, je vous ai fait une rapide revue, j'ai donné mon point de vue, tout ça, tout ça. Et vous voyez, il faut que je range mes vêtements, j'ai pas le temps. Là, je pense que je vais me démaquiller, je vais me poser, mettre en tenue au calme. Et puis voilà, rien de spécial, je pense qu'on va se retrouver demain. Dernier épisode de la saison de Black Lightning. Ça va être lourd. Créo, tu m'as rendu accro. Black Lightning. Alors, coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui. On est le dimanche 29, je crois, quelque chose comme ça. Je suis en route pour aller au resto La Créole Avenue. Je pense que vous avez entendu parler sur Insta. Enfin, moi, j'ai été contactée par eux il y a des mois pour venir dans leur restaurant, mais j'ai jamais eu le temps. Donc là, je prends le temps d'y aller. En plus, il y a un chanteur... des périodes lycée, Francis Maï, vous obligez, les vrais, ils connaissent. Donc on va aller voir ça, on va goûter ça et puis je vais vous donner mon avis. Donc c'est parti. Il y avait des 113. On est un petit peu perdu là, on comprend pas. On est arrivé dans le village de Kron. Et c'est le 94, les gars. Donc j'ai un peu de mal à comprendre, mais bon, on va suivre. Gros point, prenez la troisième sortie. Ok, mais on va te suivre. Hein. Oh, j'ai vraiment une ciblette, c'est mignon. Une, deux, et trois. Donc on fait demi-tour. J'ai pas tout compris. Bon, on va sachez que si vous venez au resto, mettez votre GPS. Dans c'est mieux. 800 mètres. Tournez à droite. Donc voilà, j'ai trop hâte. En plus, j'ai super faim, les gars. Donc, je vais vous dire ce que j'en pense, tout ça, tout ça. Donc, c'est parti. Donc voilà le resto. Franchement, la déco, elle est canon, les gars. Et ça sent super bon. Je sais que vous pouvez pas sentir, mais ça sent trop bon. On a trop hâte. Voilà. Alors, la carte des cocktails. Ah, mon Dieu. La chabine, 500 de vite. Et la chabine, c'est quoi? Les crocos, c'est aux grenadines. Oui. Non, franchement, ça a l'air super varié. Ça, et du coup, en fait, vous avez un buffet à volonté, si j'ai bien compris. Et ça change selon le midi, le noir, le prix. Bah voilà, de toute façon, j'en parlerai. Je dirais... Alors voilà un peu ce qu'ils proposent. Franchement, il y a de tout. Il y a même des frites de patates douces. Il y a du riz. Je crois que je vois de la saucisse, un peu rougail saucisse. Le son aussi, il est au top, les gars. Voilà. Il y a des frites au taquet, les gars. Au taquet. Là. Hop. Là on commence doucement mais sûrement. J'ai pris un petit cocktail, la chabine. Oui, la chabine. Et là, boudin blanc, donc je trouve ça bien. Samoussa bœuf, frites de patates douces, 6 tailles de morue, concombre, merci ma chou, et de la quiche. Voilà. J'ai rebissé.
On a du boudin noir, du colombo de poulet, samoussa, aloko. Bon voilà, aloko, on s'en fout, il est bon quand même. Le petit chablis, mes filles, elles ont fini. Salut, loulou. Pour une ambiance zouk rétro. Donc, restez avec nous, ne bougez pas. Ça, il n'y a que les vrais qui connaissent. Il n'y a que les vrais qui connaissent ce son-là. Et frère, où tu vas? Je n'avais jamais ressenti une sensation aussi douce. Tu es ma joyau bon diadème, si je puis te diamant, ils sont nos sentiments, vivre passionnément. Quand je dois te chérir, je veux vivre avec toi, mourir pour toi, réveiller pour toi. Ne voir que toi, qu'à travers toi, je ne veux que toi. Joyau bon diadème. J'ai bien kiffé, je mettrai toutes les infos en barre d'infos. Et là du coup bah, je vais rejoindre ma famille pour aller voir mon cousin jouer. Si vous avez suivi mes vlogs depuis le début, vous savez que j'ai un cousin qui fait du foot. Donc du coup bah, c'est son match aujourd'hui. Donc voilà. Allez mon garçon hein. Allez mon garçon. En bleu. En vert. Et maman est où? Tu la vois t'es... Mais oui, le voici là. Je le vois. Accepte de le voir, mais je sais pas. Même si c'est dans la nuit. Tu le vois là ? Elle verra son frère. C'est pas celui qui est à droite de l'écran. Ok, laisse-moi. Allez, Vicky ! Ah non, merde. Ah non, mais où est le slip ? Attends, il remet son slip d'abord, c'est bon. Regardez ! Il y a une belle action qui va se passer. Le but ! Mon garçon, c'est là ! Tout le monde est là. On est là, on est présent. Le fan club. Si tu marques, je jette ma canne. Mais il connaît un ok, ok, c'est la pub. Poulo. Ah, il était bon quand même. Il était bon, il était bon. Bon, la bichonnerie, il est quelle heure? Il est 19h50, mais je viens juste de rentrer, j'avais plus de batterie, donc j'ai pas fait grand chose. Après, je me suis retrouvée avec ma famille, j'ai été voir mon cousin jouer au foot, voilà, vous connaissez déjà si vous avez suivi mes vlogs. Et puis, il fait super froid dehors, vous avez vu, là, je suis en combinaison, j'ai trop froid. Là, on a perdu au moins 10 degrés, quoi, depuis la semaine dernière. Donc voilà, donc là, je vais me poser, je pense que je vais faire 2-3 montages. Au calme, boire un petit thé ou une petite soupe, un truc bien chaud, et puis au dodo parce qu'il y a boulot demain. Donc à mon avis, je vous retrouverai demain. Bisous, bisous. I can't find my way back to you till you make amends with the demons you've been through. I can't regret. Back home. We'll be right back.
17h15, je ne suis pas coiffée, je sais, j'ai une tête à faire peur, mais franchement, je dors trop mal en ce moment. J'ai des allergies, mais enfin, je pense que j'ai une sinusite qui ne part pas, j'ai une débouchée. Et du coup, je dors la bouche ouverte et franchement, je suis au bout de ma vie. Donc bref, je vous passe les détails. Donc là, je suis chez le kiné, il est 17h15, là, c'est une séance d'une demi-heure. J'ai une séance d'une demi-heure le lundi et une autre séance de 1h. Donc voilà, je suis KO. Faut que je rentre chez moi, après j'ai ma valise à faire. Puisque je dois partir 4 jours dans le sud, voilà, voilà, donc... Good evening, Pierre Soubettine, amiral Captain, force officer, Miss Bridey, en passeur, Mrs. Bus... Ma vie, c'est du vent, franchement, la poisse, mais bon... Mais le vent, je suis au bout de ma vie.